Ok, salut mon chum, bienvenue dans notre épisode de Chummy TV avec Chummy Canada. On vient de faire une grosse victoire de 6-4 en plus. 3 buts pour Nate Thompson, incroyable. Merci à celui-là qui me l'a donné dans le Trading Day d'ailleurs. Mais là, j'ai 17 500. Puis comme promis, je vais ouvrir un pack hors premium jumbo. En plus, c'est même plus Carey Price qui est dessus. Donc une bonne nouvelle de ce côté-là, 17 500 pièces. Voyons voir si ça vaut la peine. C'est sûr que ça vaut pas la peine si on était dans le 2013 à cause que le marché est mort. Tu sais, dans l'an dernier, quand on a fait Chummy Québec, le marché était mort, puis tous les joueurs, on pouvait les avoir pour 9000. Mais là, à 17 500, t'as pas tant les plus gros joueurs de la ligue. Puis j'aimerais ça, avoir un joueur rare, un joueur qui puisse me donner une bonne sécurité financière, si on peut dire, dans les prochaines games. Donc, pack d'éléments de grande qualité, le double en taille d'un pack en premium, mélange de 24 éléments, dont des joueurs et des consommables, tous or et 7 rares. Donc, juste regarder ça, présentement, ça vaut la peine, 7 rares. On va voir qu'est-ce que Henrik Sedin va nous donner. Attention, c'est stressant. Sérieusement, 17 500, c'est beaucoup, là. Let's go! Donne-moi quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait de l'heure? Charles Thornton, what the hell? Non, 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 non. Non, j'ai-tu eu fuck all? Oh, un coach, j'en ai des coachs, j'en ai un coach, il est dominant mon coach. Oh, j'ai-tu pas besoin de... Non! Colique! Martin Biron, Hampus Lindholm, lui au moins j'imagine c'est pas si pire. Mark Condary, Sean... Scott Charn fucking Thornton, j'ai déjà un bagarreur. Ryan Ellis, puis freaking Daryl Powell. Puis à 17 500, j'aurais pu avoir... Oh, fuck! Sérieux, là! Oh! Oh, ça me tue, ça, là, là! Oh, que ça me tue! J'ai eu sweet fuck all! Aucun... J'ai pas eu... Oh, je le sais que j'ai déjà ce coach-là, en plus. Tabarnache de merde! Tu peux pas le vendre plus que 300 pour un coach, sûrement pas. Il donne rien que ça, des coachs, dans NHL 14! Non! 17 500, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Oh, mon Dieu, 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 come on! Sérieux, j'espère que ça... Ah, oh, j'ai tellement pas eu assez de cash. J'ai jamais une valeur de 17 500 là-dedans. J'ai jamais une valeur de 17 500 là-dedans. Mettons, on va mettre 13 000. 17 500. Freaking Henrik Sedin, man. C'est tellement de sa faute. Oh! Tout ce travail acharné pour... Fuck all. Scott Sean Thornton. Je sais même plus c'est quoi son nom. J'aurais pu avoir Nugent Hopkins. J'aurais pu avoir Le Cavalier. J'aurais pu avoir Nathan Horton. J'aurais pu avoir Plekanec à la limite. Séguin. J'aurais pu avoir freaking Tyler Seguin pour ce prix-là. Calvaus. Keith Yandel. Dan Amuse. Oh my god. Gabe Landeskog. Non, non, non. Tarasenko. Oh, 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 oh. Ça, là. C'était pas une bonne nouvelle. Puis c'était pas le genre de choses à laquelle je m'attendais en me levant un matin. Fuck, man! Oh! En tout cas, prochaine vidéo, mon chum, ça va être un match avec Chummy Canada. Puis merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Packard Premium Jumbo. Vas-y si tu veux, man. Mais 17 500 pour ça, là. Oh, que c'est... C'est de la stine marde quand t'as pas ce que tu veux, man. Je demandais pas la grand-chose. Je demandais au moins la valeur. J'ai peut-être... J'ai eu quoi en valeur? J'ai eu genre... 8000 peut-être gros max dans le top. Tabarnak.